Bonsoir, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, c'est gâté. L'effort spécial. Après nos révélations de la fois dernière, l'argent qui a été détourné. Vous savez, on vous a dit le numéro 2 des forces spéciales. À l'absence de Spartacus, beaucoup d'argent avait été donné aux forces spéciales pour les encourager à soutenir Mamadi Doumbouya. Donc, les petits de Baba Barry ont détourné cet argent, d'autres ont fui. Et depuis que nous avons annoncé cela, c'est-à-dire, les enfants, ils sont derrière Mamadi, ils sont presque comme des prisonniers, et des milliards rentrent. Les enfants ne touchent pas à ça. Ah. Actuellement, il y a trop de mécontents. Donc, Doumbouya aussi, qu'est-ce qu'il fait? Les adjudants-chefs, pour les calmer, les autres petits aussi. Doumbouya, je t'ai dit, tu vas donner l'argent toi-même, tu vas, en fin de compte, tu vas fuir. Lui aussi, Doumbouya, comme l'annonce a été faite, nous avons cassé les papots. Maintenant, Doumbouya a appelé tous les adjudants-chefs des forces spéciales. Dans ces 2 jours, il les a donné chacun 50 millions de nos francs, plus de, ce qui veut dire plus de 5 000 dollars. Et les petits aussi ont entendu l'information. Parce que Mamadi, pour ne pas que les autres se révoltent, pour dire que Baba, lui seul, peut prendre plus de 5 milliards comme ça. C'est plus que ça, hein. Ça, c'est juste un versement. 5 milliards et quelques que l'autre a pris pour partir. Maintenant, ça gronde, ça parle au sein des forces spéciales. Ah! On se tue, on fait ça. Donc, il y a les patrons qui bouffent des milliards sous nos dos. Donc, les enfants, les forces spéciales, Nagaobé, vous êtes des prisonniers de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, vos patrons, les adjudants-chefs, pour monter, ils ont tous reçu plus de 50 millions dans ces 2 jours. Dans ces 2 jours, parce que tous les adjudants-chefs étaient fâchés. Comment Baba, lui seul, peut bouffer tout cet argent? Comment Baba seul peut bouffer des milliards sur leur dos? Il va auprès de Doumbouya. Il demande, ah non, les enfants ont besoin de ça, on va faire ça pour eux, on va leur donner ça. Vous avez compris maintenant, vous êtes tous des prisonniers, on vous exploite. Et quand ça tourne mal, on vous maltraite comme des voleurs au Nakolo, vous le saviez. Obarato, l'armée guinéenne, Obarato, les adjudants-chefs des forces spéciales, on leur donne des primes jusqu'à 50 millions, autant d'or romain. Qu'au coup d'État, c'est le coup d'État de l'armée. Je vous avais dit, j'ai dit, vous tous, au pire, regrettez mané du coup d'État. Mamadi ne connaît que son intérêt personnel. Kobri minima kyoki. Attends, na kobri ra minimane. Pour que attends, akhaï rafa. Mais autant dire, c'est vous qu'on va sortir demain. Lorsque le peuple va sortir, autant en finir Mamadi rasrakara. Autant en finir ara escadron de la mort. Le premier groupement des forces spéciales, ceux qui lui ont donné le pouvoir, ils sont où aujourd'hui? Les promesses que Mamadi a tenues à ces jeunes, ils sont où? Où est Michel Lama? Où est Moriba? Où est Pierre? Où est les éperviers et consorts? Combien sont morts? Celui qui n'a pas laissé son bienfaiteur, le président Fakonde, Naga Findisera, Naga, celui qui a créé la force spéciale, c'est vous? Otambe, Ofindabel, loyal Kyoki, Anupere Oma, Ofindimane Sarakara. Si ces caramels le disent,
il faut sacrifier 100 éléments de force spéciale. Wallah, Mamadou Obiri fini ma sadakara. Akha yomuna. Tant que lui, c'est son survie qui compte. Amouna gan naba président Fakonebe. Amouna gan lou président Fakonebe. Amouna gan lou premier, les premiers éléments de force spéciale. Ceux qui lui ont donné le pouvoir. Ceux qui n'ont pas laissé pour Michel Lama. Les alias. Peu tambe, vous les enfants, qui, on vous donne des totedis. On met votre avenir. Oh, Al-Kiyama. Oh, Sigamigaifara. Allez tuer les gens. Vous compromettez. D'abord, Doumbouya n'a pas été élu. Mbara Falaoube. Doumbouya, c'est le patron d'une milice. C'est pas une armée. Vous savez que si vous mourrez au compte d'une armée, aura quitté nous, Bore Rakiti. Ce n'est pas pareil. Mais vous, vous êtes au service d'une milice pour tuer. Vous tuez, vous compromettez votre avenir. Al-Kiyama, à la rogne. Parce que vous êtes tous conscients. Obiri Akolo, Mamadi Doumbouya, il n'a pas été élu à Naganabar. Vous pouvez comparer Mamadi au président Fakonde, Mengaya, Ala Rakira. Vous le saviez. Vous êtes tous conscients de ça. Mais continuez. Vous allez sortir les gros perdants. Mais Al-Kiyama, au fin de Sarakara, Al-Kiyama, au M. Falama, Ala Bekiti Loré. Je vous ai prévenu. Ndjife Falane, mais au moins comprendre. Parce que. On a dévoilé ce qui était caché. Maintenant, les patrons, quelques petits patrons de force spéciale, les adjudants-chefs, commencent à dire, parce que les gens savent que Baba, c'est le cousin de Doumbouya. Baba Bari. Donc, rien ne va sortir. Si ça, c'était Alia, on allait l'enfermer tout de suite. Si ça, c'était Michel Lama, on allait l'enfermer tout de suite. Qu'il a détourné. Mais Baba Bari, c'est le cousin à Mamadi Doumbouya. La maman de Mamadi Doumbouya et la maman de Baba, là, leur famille. Là. Les Baba et les Siakabari, les Nanyalé, là, c'est la même famille. Donc c'est pourquoi c'est ce moment-là. Même si Baba vole des milliards, Mamadi, c'est sa sécurité qui compte. Vous, autant la sécurité, Mamadi Rayo Mounama. Mamadi s'en fout de ça. Vous voyez comment il est en train de radier les vrais soldats de l'armée guinéenne. Donc, les enfants, réclamez votre part du gâteau. Parce que les adjudants-chefs, les anciens aussi des forces spéciales. Ah, mais pour vous, c'est autant que malheur n'a radé. Vous ne voyez pas que vous êtes malheureux. Vous qui avez donné le pouvoir à Doumbouya, les enfants qui viennent de rentrer, qui sont adjudants-chefs aujourd'hui, on leur donne 50 millions. Pendant ce temps, des anciens qui ont mis leur vie en danger pour Mamadi Doumbouya, autant ministre 00, on ne vous a pas donné de maison. Les 1 milliard qu'il vous avait promis, vous savez ce qu'il vous a dit, non? Voilà. Maintenant, je vais éclaircir encore une de mes vidéos. Parce que, vous savez, il y a des vidéomans qui cherchent des vues, qui font de l'argent. Moi, je vous ai dit, d'abord, même mon compte où je suis en train de faire, tout ce que je gagne, la voleuse qui avait piraté mon compte de paiement, même les petits jetons que Facebook donne, rien ne rentre dans mon compte. Sinon, j'ai d'autres comptes, je peux faire des lives là-bas, si je ne voulais pas. Mais moi, je m'en fous. Moi, mon combat, c'est pas lié à l'argent. Parce que vous avez entendu le communiquant du CNRD. Ma Guinée d'abord, depuis que la fille, elle a pris mon compte de paiement, jusqu'à présent, tout ce que Facebook donne, ça part là-bas. Ça peut vous dire que mon combat n'est pas lié à ça. Que je ne vais jamais signaler quelqu'un qui prend mes vidéos à les poster. Moi, l'essentiel, que le message passe. Mais lorsque vous coupez les vidéos, lorsque je fais une analyse, il faut mettre toute l'analyse complète sur vos pages là. Mais lorsque vous coupez, certains vont penser que j'ai changé ou je suis en train de défendre les bandits, les voyous du CNRD. Lorsque j'ai parlé la dernière fois qu'il y a eu une rencontre où Mamadi a appelé tous les officiers supérieurs de l'armée pour leur faire savoir son intention de rester au pouvoir. Donc, que ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Mais que lui, il ne bougera pas. Donc, j'ai dit au peuple d'être préparé. Mamadi ne partira pas. Je ne sais pas comment ils ont coupé. Et d'autres ont mal compris
ce que j'ai dit. Moi, je suis fou pour soutenir ces voyous-là. Moi, je suis fou pour soutenir ces bandits-là. Donc, quand on coupe mes vidéos, vous ne comprenez pas. Mais mes pages sont là. Cherchez à suivre mes vidéos. Parce que moi, je fais les autres coupes 5 minutes et 3 minutes pour mettre là-bas. Donc, moi, je n'ai pas besoin de me justifier encore. Ma position est claire. Je suis opposé au CNRD. Voilà. Famille, quand on vous dit que la Guinée est devenue plaque tournante de la drogue, Loro, Afala m'a dit, Nakineka, Sotorui. Vous avez vu Amara Kamara, le communicant de Amara. Wole alekoniaka de hankri do fin koto minu americano minu tu ne damaro nena asinta abonta Amara, il faut suivre Amara, c'est ton parent. Moi je vous ai dit, je suis pas dans un combat communautaire. Déjà je suis né guinéen, je suis fier d'être guinéen, j'aime tous les guinéens et je sais que pour le développement en Guinée, c'est dans la paix, c'est dans l'amour avec tous les guinéens. Donc vous avez mené campagne. Amara est venu ici lors du passage du bandit Mamadi Doumbouya aux Nations Unies. On vous a remis beaucoup d'argent ici. Qu'on a de soutenir votre parent. Vous avez soutenu Amara. Les gars, où est votre Amara aujourd'hui? Doumbouya a coupé contact. Amara est devenu petit prisonnier. Vous savez que sa main, une partie, s'est un peu enflée. Demandez les gens chez lui quand ils sont venus pour la première fois. C'est la mort de feu général Sadiba qui a fait que les gens là n'ont, ils l'ont pas humilié. Ils l'ont pas humilié. Sinon, aujourd'hui, tout est coupé. Même la dernière fois lors du salon de l'agriculture, vous l'avez vu. Même quand vous regardez son visage, où il allait rendre visite à Morikonde. Vous présentez ses condoléances. Même quand vous le regardez, vous sentez que le type, il a des soucis. Je vous ai dit, vous, ça dit, pour la nation, vous voulez soutenir les gens, soutenez-les sur la base de la vérité, sur la base de mérite. Et ne dites pas c'est votre parent. Aujourd'hui, vous n'avez que vos yeux, vos doigts pour mordre. Parce que je vous avais dit, j'ai dit les gens là vont se manger entre eux. La vérité finit toujours à triompher. Même si vous voyez demain Amara, il est presque un prisonnier. Je vous ai dit, c'est des bandits ces gens là. Ils vont se bouffer, ils vont se manger entre eux. Ces deux jours là, avant que je ne vous annonce l'audition de Amara. Vous savez, il était partout, il était vu, il était l'homme qui parlait. Mais demandez aujourd'hui, il a quelle influence. Même Doumbouya. Vous avez vu Doumbouya aller saluer Bala à l'état-major à vélo. Vous avez vu? Votre Amara, il est ouf. Votre Amara, il est ouf. Pourtant, je vous avais prévenu. Hein? Si vous soutenez Doumbouya, soutenez-le sur la vérité. Ne le soutenez pas à cause de quelqu'un, non. Il n'est pas leader politique. Il n'a pas été élu. Si c'est Doumbouya, vous voulez soutenir, soutenez. Le prophète donne, donne le message. Mais vous ne pouvez pas vénérer le prophète. Hein? Vous savez que Doumbouya ne fait pas bien. Vous, parce que Amara est avec lui, que c'est votre parent, que vous allez le soutenir. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Vous savez que c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, il faut les voir. Eh, hey, Damaro, tu avais raison. Tout ce que tu avais dit, voilà. Effectivement, c'est ce qui arrive. Ama fausse Amara Fonoba. Hante, Ama Djouti Berebreke Fonoba. Il n'a pas encore bien chicoté votre Amara d'abord. Parce que je vous ai dit ici, c'est un groupe de traite. Qu'est-ce que le Fama n'a pas fait pour ces petits bandits qui sont là aujourd'hui?
Idi Amin, directeur de cabinet, ambassadeur. Bala Samoura, un tapissier. On lui donne voiture, formation, tout, maison. Doumbouya, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour lui? L'envoyer en formation. Créer les forces spéciales. Lui mettre comme le commandant. Amara, directeur de l'école militaire. Pourtant, il a fait la prison au temps des Dadis ici. J'ai dit ces traites-là. Walloye, yamfara nyoma, yamfanama. Sarake yomama. Walloye, je ebore ma fakamane. Cesse mouna kanama. Cesse. Karamoga kawali mouna kanama. Cesse. Et gana karamoga Suleiman quoi? Naga wali mouna kanama. Je vous ai dit, famille, c'est un groupe de traite, un groupe de yamfante. Ils vont se bouffer entre eux. C'est une grande. Il faut leur vouler faire. Aragnon m'a voulu nam. Voici un maudit qui est là, comme Noël Kamano. Un maudit comme ça là. Il y a le courant, le pays avance. Maudit là. 19 200 personnes. Il y a le courant, des maudits comme ça là. L'insécurité totale dans le pays. Parce que des idiots comme vous. Vous n'allez jamais comprendre la situation du pays. Parce que vous, vous bouffez 19 200 personnes. Les bandits ont mis ces gens à la retraite, même sans mesure d'accompagnement. Parce que vos papas ne sont pas parmi les militaires aujourd'hui tués. Parce que ton papa n'est pas le général Sadiba. C'est pourquoi tu ouvres ta gueule pour dire ici que non, ça va au pays. Des idiots comme ça. Des inconscients. Si ça allait dans le pays, la situation n'allait pas être comme ça. Des inconscients. Quand est-ce que vous allez ouvrir vos yeux pour comprendre que le pays aujourd'hui, on est endetté aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars. Chaque paiement, chaque fin du mois, ce sont les banques privées qui payent presque les fonctionnaires. Les voleurs que nous parlaient ici de la bonne gouvernance. Où est cette bonne gouvernance? Je pensais qu'il y avait plus de Grecs en forêt. Mais voici encore un Grec qui est là. Qui ne veut rien comprendre. Idiot. Donc, famille, voilà. C'est un peu ça. Et les arrestations vont continuer. Il y a même des leaders politiques qui vont arrêter. Mais j'ai dit au peuple de Guinée, tant que vous attendez, il faut anticiper les choses. Il faut aller à l'offensif. Ces gens-là, il faut les combattre. Mais si vous pensez que c'est le dialogue, c'est les belles paroles qui vont faire changer ces voyous-là, vous vous trompez. C'est comme si nous sommes dans un film bandit. Vous avez regardé des films bandits depuis longtemps. Les scénarios dans les films bandits à notre pays, la Guinée, nous sommes dans ces mêmes scénarios aujourd'hui. Mamadi, c'est le chef bandit. Vous savez, le chef bandit, il y a des commandants, les balas, ainsi de suite. Et vous savez, dans les films, le chef bandit, quand il n'a pas confiance à un de ses commandants, il les élimine. C'est ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce qu'on va avoir un acteur qui va faire l'affaire du peuple. Parce que les bandits sont dans la cité, ils traumatisent tout le monde. Et le peuple en a marre. Le peuple prie le bon Dieu de nous envoyer un sauveur. Ah ouais, c'est le sauveur que nous attendons. Mais bientôt la fin du film. Vous savez, au début du film, on ne parle même pas d'acteur, rien du tout. Les bandits font ce qu'ils veulent jusqu'à ce que les gens se rendent compte. Ah, c'est grave, il faut faire quelque chose. Ah ouais, nous sommes à ce stade et bientôt la fin du film. Le peuple ne peut que prier Allah subhanahu wa ta'ala de donner la force à ceux qui doivent vraiment nous débarrasser de ces voyous-là. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Bon Djouma à tous les fidèles musulmans. On se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Merci à Kokotsi. Merci à Ousmane. Ne répondez pas à ces idiots-là. Bakayoko Mohamed, merci à vous. Mohamed Roua, merci. Aziz Beseka Aziz, merci à vous. Bouba Mara, merci à vous. Oumoufadi Gandoy. Leno Soul, merci à vous. Merci à
Alexandre Pivi, Maïssa Kamara, merci à vous. Traoré Lhomme Konya, merci à vous. Doussoumoui Savané, Soum Sirasak, merci à vous. Merci à Fofana Sololai. Merci à Abakar Ba. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Mamadou Madjou Diallo, Sidiki Kamara, mon pays, merci à vous. Merci à... Je suis fier du Mandeng, mon grand Konaté depuis Libreville. Voilà, Raïkon Mo Badje Gissé. Merci Ansou Kamara, Mfo Diallo Amadou, merci à tous ceux qui suivent nos lives. Voilà, par peur qu'ils ne commandent pas, nous le savions. Voilà, qui prie pour nous, nous vous disons merci aussi. Alpha Malipan, Sidiki Kamara, Abaka Kondé, merci à vous. Le combat continue. Doumbouya Mamadou, merci à vous. Kaba Zenablai, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Tcherno Mamadou Ba. Merci à Moussa Cissé, Kondi Ouma, Alpha Ouma Taliwel Diallo. Bonne soirée.